Thank you.
Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Coucou tout le monde, comment ça va? Je dis Naruto, vous mettez Naruto dans le chat s'il vous plaît. Yaho, yaho, ça va et toi? Daijoubu desu. Nemu in dakedo, daijoubu desu. Naruto. Coucou tout le monde. Ça t'émote, putain, ça t'émote, ça t'émote! Comment ça va tout le monde? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes plus en forme que votre sensei? Encore une fois? Kambawa minasan! Kambawa! Désolée, je suis déjà niveau 3 de fatigue. Heureusement qu'aujourd'hui c'était gratuit! Ça demande pas beaucoup d'efforts de ma part. L'effort vient de vous, pas de moi. Alors, question habituelle. Est-ce que les réglages sont bons? Bob, j'ai eu mes notes du semestre et j'ai dû garder ma nièce ce matin. Oh non, Saku, j'espère que ça a quand même été tes notes. En forme. Je n'oserais pas être plus réveillée que toi. Il faut. Sinon, je suis dans la merde, moi, si personne ne derrière, hein? Ah, omedeto Sakura! Je veux des clap pour Saku! omedeto, yoku ganbarimashita ne! Ah, alors, attendez, je remercie déjà Talala pour tes beats. 73, hein, lundi de genre en japonais, comment on dit 73? Est-ce que vous avez révisé le cours de lundi? Comment dit-on 73 en japonais? Je veux la réponse dans le chat. C'est bien, ouais, c'est bien. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je suis sûre qu'on voit ta main, en plus. Ah, d'accord. Ah, et Mayo, il dit coucou, du coup. Donc déjà, talala. Cœur sur toi, kokoro. Arigato gozaimasu. Et c'est bien, nanaju-san. Nanaju-san bits agete kurete, arigato gozaimasu. Et ensuite, il y a eu plein de follow. Regardez-moi là. Oui. Son nanaju-san desu ne. T'inquiète pas, Saku. Daijoubu. Eh, les gens. Je vais enfin faire le live, le test de pureté en live. La question, c'est quand est-ce que je vais le faire? Peut-être la semaine prochaine. Certainement la semaine prochaine même. Coucou tout le monde, kambawa, bonsoir, je viens de découvrir, hâte de suivre tes cours. Ah, yokatta des, merci beaucoup Larimion pour ton follow, c'est trop gentil. Du coup, attendez, parce que faut que je remercie tous ceux qui ont follow pendant que j'étais pas là. Donc, SNK Best Manga, je ne peux être que d'accord avec lui, mais pas de spoil parce que je suis pas à jour. Sifu Pace, merci pour ton follow. Gros BG du 974, je sais pas c'est quel département, mais bienvenue BG. Merci Corey, 97, non c'est 974. Je sais pas. Merci beaucoup Nianti02 pour ton follow, ainsi que Vanny Casper. Un pseudo que je sais pas prononcer, Ness Earth 1 et Owax et Goxama. Et bonjour, c'est moi, ça va toi? Bah moi ça va. Il y a beaucoup de gens. C'était la Réunion? Ah bah bonjour BG de la Réunion. Ah, même Mayu il a dit. Comment allez-vous? Bah ça va et toi?
Coucou tout le monde, kambawa, minagenki desu ka? Est-ce que vous êtes en forme? Oh, merci beaucoup, Lilou 971, follow shite kurete arigato gozaimasu sur le channel, yokoso, bienvenue sur la chaîne. Mais non, mais moi je connais même pas les départements français, alors si c'est même pas en France, je peux pas savoir. Oui, mais c'est un dom-tom. Ah, oh, il me saoule, lui. Punaise. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas pu venir par ici. Et tu viens au moment où il me vénère, je suis désolée. Mais il me vénère, je vais le taper. Je vais le taper, il me vénère. Non, non. De la France métropolitaine, si tu préfères. Oui, oh, me casser les roubignoles, là. Kambawa. Kambawa, tejo maho. Mina sumimasen ne. Imo choto okotteru, kedo. Ganbarimasu. Tsugau yo. Je connais même pas les départements de la France métropolitaine. Comment voulez-vous que je retienne les autres départements en dehors de la France métropolitaine? C'est pas possible. Pas possible. Les gens, faites quelque chose là, parce que ça y est, je suis montée en pression là. On va boire un coup, hein. Putain, ça commence bien. La prochaine fois, mets-le dans le chat. Me parle pas comme ça. Ça sera mieux. Je te soutiens, j'ai du mal aussi. Ah oui, bah non, mais. Je les ai peut-être appris quand j'étais petite. Après, c'est tout. Monter en pression, tu peux partager. Bah écoute, si tu veux, je te donne la pression que j'ai là, quand tu veux. Kampai, kampai, minasan. Du coup, les gens, semaine pro, petit test de pureté, pour que je vous montre à quel point je suis pure et innocente et que vous ne me croyez pas. La pression, la bière, sinon ça ne m'intéresse pas. Oui, bon, on s'arrange. Petite pause méditation dès le début. Ah, je vous jure, les gens, je vous jure. Grosse journée aujourd'hui, grosse journée. Comme toutes les journées. Évidemment. Ouh, oh là, j'arrive à temps, oui. Taï, je baisse, taï, je baisse. Du coup, je sais pas, le prochain objectif, on fait quoi? Traduction, alors, il y en a qui avaient proposé traduction d'opening. Est-ce que ça vous tente? Et qu'on vote l'opening en question sur le Discord? Qu'est-ce que vous en dites pour l'objectif des 1600? Oui! Ah bah ouais, tout le monde est d'accord. Ça marche, on va faire ça alors. Bon bah les gens, n'hésitez pas à rameuter du monde, hein, comme ça, live traduction d'opening. Hein. Ah, l'opening de Yuri on Ice, j'adore cet animé. Oh, Victoru! Bon, sinon, est-ce que l'apprentissage des kanji se passe bien? Est-ce que l'examen vous a aidé à voir où vous en étiez? Et est-ce que du coup vous êtes prêt pour la session d'aujourd'hui? Et là on traduit un opening qui nous change totalement la vision qu'on aura de l'anime. Ça va peut-être nous spoil. L'opening de Yuri on Ice, il est en anglais. History, bah oui, je crois. Mais... Ah bah oui, du coup, peut-être. Je ne sais plus. Ça fait longtemps. Je l'adore, mais ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Si jamais un objectif jeu d'horreur, je connais un jeu d'horreur. Ça promet qu'Andy ne va plus dormir dans la nuit complète. Ah non, je veux pas. Peut-être les 10 000. Un jour, on sera 10 000. Là, peut-être. Mais pour l'instant, non. Ça vaut pas encore la peine. Désolée, ça vaut pas le coup que je ne dorme plus mes nuits. À 10 000, why not? Ça, là, à la limite, il y a un petit challenge, quoi. Ça vaut le coup, j'ai le temps de me préparer. Mais avant, pas trop. D'opening sur laquelle il y a déjà une traduction, comme ça, tu shames l'autre traducteur. Désolé, j'ai un côté maléfique des fois. Alors, mais être traducteur, c'est un métier. Chose que je ne suis pas, hein, clairement. Et clairement, je peux pas dire « Ah, c'est de la merde !» Non, parce qu'on a tous sa façon d'interpréter, son côté littéraire, voilà. Moi, je suis scientifique, donc ça se ressent un petit peu. Je suis très littérale, moi, dans mes traductions. Embellir les choses, comment dire. Moi, non.
Non, non, non. Sauf le Discord. Alors là, le Discord, il tue du feu de Dieu. Hein. Mais c'est visuel. C'est pas... faute d'orthographe, vous voyez. Vous savez, vous me connaissez. PS, il n'y en a pas beaucoup, je vous rassure. Mais il y en a quand même. Un petit phasmophobia. Non, même pas ça, Emma. Parce que phasmo, je m'y suis à peu près habituée. Du moins, la dernière fois, j'avais osé plus de trucs. Là, je pense que Grimm, ce qu'il propose, c'est clairement pas ça. Buenos dias, Doc Pepper. Enfin, Pepper, plutôt. Mais je vais t'appeler Doc Pepper, c'est mieux. Non, on peut, je peux te rename. Ah, coucou Soledad. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Bah, ça va et toi, Nina Genki? Dead by Daylight t'aura toujours des sursauts. Les screamers, c'est ce que je déteste, vraiment. C'est même pas le fait que ce soit moche, que les persos soient moches, et que leur mocheté fasse peur. Non, c'est qu'ils te bondissent à la gueule et t'as juste, tu peux pleurer, c'est tout. T'as rien d'autre à faire que pleurer. Ah, coucou Azurda, merci beaucoup pour ton follow. Follow shite kurete arigato gozaimasu, notre channel est Yokozo, bienvenue sur la chaîne. Alors pour tous les nouveaux qui sont sur la chaîne, comment allez-vous? D'où venez-vous? Et comment avez-vous trouvé la chaîne? Non, 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 moi j'ai peur. Non, non, non. Bon, ça peut se négocier pour les 10 000, je répète. Hein. Ça peut se... Oh, merci Perjok. Ça me coupe comme ça avec un Prime, mais je valide. Merci beaucoup, je vais des clap, clap, clap les gens pour le Prime de Perjok. Clap, clap, clap. Je vais des clap, clap, clap dans le chat. Coucou Mamounette, comment tu vas? Trop de screamers, c'est juste hyper stressant et gore. Oh non, impossible que je joue à ça alors. On y arrivera un jour, Grimm. Mais voilà, mais j'aurai le temps de me préparer à ce jour. C'est juste ça. On veut tout savoir. Ah, d'ailleurs, je veux faire, Jacques. Arigato, ne? Arigato gozaimasu, ne? Clap, 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 Père Jacques. Merci beaucoup. Bon, bon, du coup, l'objectif 1600, c'est live traduction d'un opening. Ok, on va essayer. Oh, merci, Wasabi. Merci pour le bis. Je veux des clap 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 dans le chat. Clap 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 pour Wasabi. Oh là là. Ah, vous profitez de ma fatigue. Hein. Vous profitez vraiment de ma fatigue. Une émission entière de traduction d'anime. Bah, le truc, c'est que j'aimerais trop le faire. Mais en tant que prof, en fait, en tant qu'étudiante, je ne serais pas capable de le faire. Du moins, il me faudrait le script pour pouvoir m'appuyer sur quelque chose, parce que juste sur de l'oral, il y a certains passages, je pense que je serais incapable de comprendre ce qu'ils disent. Je n'ai pas forcément le niveau, et ça dépend aussi de l'animé. Mais si je me mets dans une posture d'étudiant, et qu'on étudie ensemble, là oui. Mais si je dois vous enseigner des trucs à travers ça, ça sera plus compliqué. Pourquoi? C'est qui, Azurda? Ikode? Wasabi? Une émission entière de clap. Youhou! Tokimeki qui traduit des mangas aussi, c'est sympa. Oui, Tokimeki et Duda, ils sont déjà tous les deux sur le... On traduit des mangas et des animés. Du coup, bon, je vais pas... C'est leur créneau, hein. C'est moi, je sais encore autre chose. Mais les live bonus pour les objectifs, par contre, ça, y a pas de soucis, ça. En vrai, ça me plairait bien aussi. Sodesu ne. Et je crois que Japan Kankei, il va faire sur les animés ou les jeux vidéo. Ou les deux. D'accord, là, Ine. Inawa. Judai. Mais non, Mayu. Tu sais qui c'est, Judai? Judai Chitte. N'hésitez pas à aller follow leur chaîne. Hein. Japan Kankei, Judai Shi, Tokimeki et Shomi. Judai. J'ai l'impression qu'on lui a déjà fait la vanne, du coup. C'est qui, Japan Kankei? Mais alors, Soledad. Je ne suis pas allée dans des magasins de vêtements depuis longtemps. Et j'ai pas de chemise. Du coup, il faut. Mais, bah, pas maintenant. Mais je vous l'aurez, hein. Promis, vous l'aurez, mais... La commu Japon, j'ai l'impression que c'est une petite famille. Non, mais c'est tellement ça. C'est exactement ça. Bon, sinon... Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ou est-ce que... Où est mon stylet? Il est là. Mais est-ce que vous êtes prêts? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a la tête de Julien Fontanier dans le chat, putain? Coucou Nikita, comment tu vas? Kanji o kakitai. Ah, déjà, kakimashone, isho ni kakimasho. On va les écrire ensemble. Alors, on a
pas de test, parce qu'on a déjà fait l'examen des 3 semaines la semaine dernière. Donc le cours d'aujourd'hui ne devrait pas être super long en soi. Ah, coucou Eileenir, comment tu vas? Bonsoir. Kajo benkyo shimasho ne? Benkyo shimasho. Donc, les 3 premières semaines, on a fait l'examen la semaine dernière. Donc aujourd'hui, pas de test, hein, je me répète. Et donc, on va tout de suite commencer par 10 nouveaux kanji avec le vocabulaire qui va avec, du coup, niveau N5. Kanji ga suki desu yo. Watashi mo suki. Watashi mo daisuki desu yo. Moi aussi, j'adore les kanji. Je ne fais que regarder. Ah, dozo, dozo, je t'en prie. Ça va et toi? Bah, ça va super. Coucou Patricia, comment tu vas? Oui, pas de test, c'est les vacances avant l'heure. So desu ne? Je pense à vous de temps en temps. Du coup, je vous ai mis quand même un petit récap de ce qu'on a vu pour le moment. Ichi. Attendez, je vais vous mettre là. Ichi. Est-ce que vous voyez là? Ichi, ni, san, yon, go. Ah bah d'accord, attendez mon... Vous vous voyez pas, mais moi mon PDF il se met à jour. Attendez. Donc, ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. La première ligne, c'est les chiffres de 1 à 10. Ensuite, on a hyaku, 100, 1000, sen, 10 000, man. Et on a... ici, les 13 premiers, c'est dédié aux chiffres. D'accord? Pas de contrôle? Bon, bah, je note pas. Non, mais si! La semaine d'aujourd'hui sera contrôlée dans 3 semaines. Mais il n'y a pas de contrôle sur ce qui a été fait avant. J'ai trop fréquenté mes élèves, tu m'étonnes. Je suis au boulot, alors je pourrais pas suivre totalement. Ça va et toi? Ah, Genki desu yo. Ça va, ça va. Bah, bon courage, Patricia, du coup, pour ton boulot. Et puis, au cas où... Tu sais qu'il y a la rediff et que sur le Discord, si t'as des questions, on est là. Coucou Mojap, comment tu vas? Genki desu ka? Merci beaucoup pour ton follow, c'est trop gentil. Follow shite kurete arigato gozaimasu. Channel yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Donc voilà, vous avez les chiffres. Ensuite, vous avez le jour, nichi. La lune, tsuki, qui représente aussi le mois, gatsu. L'année, toshi, unen. On utilise souvent les deux lectures. En haut, ue. En bas, shita. La droite, migi. La gauche, hidari. Ça, c'était la semaine 2. Et la semaine 3, on a vu l'intérieur, naka. Le feu, hi. L'eau, mizu. Le bois, l'arbre, ki. L'argent, kane. La terre, tsuchi. Le bois, hayashi. La montagne, yama. Et la rivière, kawa. Pour finir avec la rizière, ta. Perso, j'ai retenu la technique de Kyandi Sensei pour la gauche et la droite. C'est une bonne idée. Mais oui, vous mangez avec la main droite et vous travaillez avec la main gauche. Ramenez des abonnés. Oh, trop gentil. Bienvenue à tous les nouveaux. Bienvenue. Oh, merde. Jean... j'ai failli lire. Jean Q qui? On va le dire comme ça. Jean Q qui? Comment tu vas, Jean Q qui? Merci beaucoup pour ton follow. Vos pseudos, mais comment vous allez imaginer ça? C'est pas possible, hein. Heureusement que je lis dans ma tête avant. Jean Cookie, voilà. Jean Cookie, on va t'appeler. J'ai pas compris la technique pour la gauche et la droite. En fait, dans le kanji de droite, tu as le kanji de la bouche. Le carré, c'est la bouche en japonais. Et donc, tu dis que tu manges avec la main droite pour retenir la bouche. Et l'autre partie, ici, le « e » en katakana, fait référence de base à un outil. Et donc, du coup... tu travailles avec la main gauche. Et comme ça, tu peux visuellement retenir quel kanji est celui de droite et quel kanji est celui de gauche. Kuki, j'ai fait un... Watashi mo nakashita ne? Ima wa... Peko peko. J'ai entendu dire que le fait de dire kane, ça pouvait être traduit par le fric. Et okane, c'est l'argent un peu plus poli, c'est possible. Bah en fait, o, c'est la particule honorifique. Du coup, oui, carrément. Je pense que c'est faisable. Vous allez bien ce mercredi? Je sais plus comment... Combien? Bah ça va et toi, Ney? Eh oui! Toujours des bons moyens mnémotechniques chez Kyandi. Le fric! La money! La money! Et ben voilà. Grâce à ce moyen mnémotechnique, vous ne vous tromperez plus. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc ça, c'est les 3 premières semaines.
Et la semaine dernière, on a fait l'examen sur ces 30 kanji. Et là, on est reparti sur une autre série de 30 pendant 3 semaines. Et après ces 3 semaines, on refera un examen sur ces 30 qu'on a vu là, qu'on verra à partir de cette semaine. Incroyable cette technique. Oh, est-ce que je le fais bien? Franchement, oh, moi je trouve ils ont pris ma tête comme modèle pour le faire. Twitch cané, YouTube cané. Bah, YouTube cané, Wamadades. J'ai pas YouTube, je perce pas. Non. Twitch, dan. Petit à petit. Merci beaucoup, c'est Elsa C. Pour ton follow, c'est trop gentil. Follow, je t'ai collé, arigato gozaimasu. Sur notre chaîne, elle est yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Les gens, on est presque 60 pour des kanji. Oh, est-ce qu'on va battre le record du cours de grammaire qui était à 73 pour des kanji? Peut-être. Voilà, donc c'est bon pour le récap. Et on passe du coup au kanji de cette semaine. Et on va commencer par celui-ci qui est, et on l'a plus ou moins vu la semaine dernière, la forêt, mori. Donc attendez, je vais mettre ma petite tablette. Oh, Twitch kané, Twitch no hokane dessine, beats agete kurete arigatou gozaimasu. Merci, je veux des clap pour The Wasabi, pour Lady Beats, c'est pas négligeable. Comment dit 10 en japonais? Comment dit 10? Du dessiné, so du bits agete kudete, arigato gozaimasu, merci pour tous ces bits. Alors attendez, je vais mettre mon tableau. En voilà, un minimum. Hop, attendez, faut que je fasse mes petits réglages, hein, comme d'hab, ça fait longtemps que je l'avais pas mis. Hop, voilà. So desne, 10 ça se dit Dieu, merci encore, merci pour les bits, c'est trop gentil, vous êtes trop chou. La burabu ne, la burabu kazoku ni shoka, la famille de l'amour, la burabu kazoku, la burabu team, l'équipe de l'amour. C'est ça, alors, en fait le kanji forêt est composé de 3 fois un arbre. Si je vous rappelle ce qu'on a vu la semaine dernière, on a vu qui, hein. Ça c'est qui. Et à qui, si on rajoutait un autre arbre, ça faisait hayashi, le bois. Et si vous rajoutez en fait encore un arbre, ça agrandit, et donc d'un bois, on passe à une forêt. Et désolé, il a un peu de biais du coup, parce que j'ai ma tablette de biais. Et du coup, ce kanji-là, avec 3 arbres, donnera mori. Mori la forêt. Et si on veut quelque chose encore un peu plus grand, on peut y rajouter en fait le kanji du bois. Donc ayashi. Et ça nous donnera shinnin. Shinnin. Alors pour l'ordre de traité, je ne l'ai pas suivi parce que je vous ai montré comment il se construisait, mais... Ah, si je le fais bien. On commence par celui du haut. On fait un arbre. Et après on commence à gauche. Et puis on fait celui de droite. Mais on doit commencer par celui du haut. C'est lui en premier. Et donc, comme je vous disais, si on rajoute hayashi à côté, ça nous donne également la forêt. Hein. C'est un synonyme, mais je pense que c'est un peu plus grand que juste mori. Et ça se dira shinnin. Shinnin. Et après, je vous ai mis comme mode vocabulaire aomori. Et c'est... est-ce que c'est une ville? Je crois que c'est une ville. Je sais pas, je pense pas que ça soit une préfecture, mais... c'est un nom de ville assez connu en japonais, enfin au Japon, tout du moins. Donc une forêt composée de 3 arbres. C'est les arbres du bois de Boulogne là. Ya, sanakotanai yo. Ça sonne un peu comme un lobe d'oreille. A mori a de aso desu ka. Je connaissais Marie la forêt, mais pas Molly la forêt. Ah bah voilà. Maintenant, tu connais. je vais manger. Ah, bye bye, bon appétit, Sakura. Dōbutsu no Mori desu ne. Et du coup, vous l'avez dans le jeu, hein, comme Soledad dit. Dōbutsu no Mori, c'est Animal Crossing en japonais. La forêt des animaux. Non, je pense pas que l'Amazonie, ça soit 3 Molly.
Ça serait drôle, mais je pense pas. Non, Shinlin, Shinli, Shinlin, Shinlin. Donc ce kanji, bah normalement c'est pas trop compliqué si vous connaissez le kanji de l'arbre. Hein. Aomori c'est le nom d'une ville. Je vais vous dire où ça exactement. Ma géographie japonaise laisse autant désirer, voire plus, non moins que la française, mais je sais pas, j'ai jamais été à Aomori, donc je ne sais pas où ça se trouve. Aomori... Ah, il y a la préfecture, j'avais raison. Il y a bien la préfecture d'Aomori. C'est pour ça que c'est si connu. Et donc, attendez. Aomori-shi... Ah oui, c'est tout dans le nord. En fait, vous avez toute la grande île principale, et bah c'est tout au nord de l'île principale. Voilà. Juste en dessous de Hokkaido. Et le Ao, en fait, c'est bleu. Donc, littéralement, c'est... bleu, ça, en fait, bleu, le Ao, c'est soit bleu, soit vert. Hein. Je vous rappelle que les Japonais, la couleur verte et bleue, c'était la même. Et donc, on a plein de mots qui commencent par le kanji de bleu, comme l'herbe, le bambou, etc. Des fois, on peut le retrouver. Et là, ça a le sens de vert, évidemment. Hein. Aomori, la forêt verte, tout simplement. C'est quoi la recette chelou de depuis quand la texture d'un lobe d'oreille a une référence, j'avoue. Depuis quand faire des mochis ça a cette texture là? Je verrai plus ça de la même manière. Est-ce que c'est bon pour celui-là? Est-ce qu'on peut passer au suivant? Donc je vous répète, hein, vous commencez par celui du dessus, celui de gauche et celui de droite. Et vous avez la forêt. Soleil wa moli, moli desene. Et retenez ici moli et shinlin. Hein, ce sont les deux mots de vocabulaire. Important, on va dire. Il y en a forcément d'autres, mais ceux-là, ce sont les plus importants. La forêt bleue, ça peut être joli aussi. Ah, so desene. So desene. Jatsugi. Alors, justement, on en parlait, le bambou. En japonais, ça se dit take. Take. Vous avez aussi la lecture chiku, que vous connaissez déjà, parce que la semaine dernière, ou en celle d'avant encore, plutôt, on a vu la forêt de bambou, hein. Chikurin, chikurin. Donc le kanji en lui-même, il a 6 traits. Oh, merci beaucoup, sensei. Osomada. Ah, gomenasai. Osomodas. Arigato gozaimasu. Follow shite kurete ne. Ano, sono channel e yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Donc, take est composé de 6 traits. 1, 2, 3. 1, 2, 3, avec un hané ici. Faut bien faire votre hané. Ah, coucou marmotte koala, kambawa, genki desu ka? Mina genki desu ka? Je vous remontre. Donc, vous partez de la gauche pour faire le premier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, la différence, c'est que vous avez un hané. Un hané. Et ça, c'est le bambou. Alors, je vais essayer de le faire en plus petit parce que du coup... Hop. Voilà, ça doit donner quelque chose de ce style-là. Hein. Et donc, tout seul, il va se lire take. Et si, par exemple, vous y ajoutez le bois, hein, hayashi, qu'on a déjà vu, hop, vous utilisez la lecture kun, an, pardon, et dans ce cas-là, ça se lira chikulin, chikulin. Genki desu, anata. Watashi wa genki desu. Arigato gozaimasu ne. Et ensuite, vous avez, si vous rajoutez noko, take no ko, et ben c'est la pousse de bambou. Take no ko, take no ko. Ah mince, vous voyez pas. Chotto matte kudasai ne. Te koto desu. 3 semaines que j'ai commencé le japonais, mais wa les hiragana et katakana, je galère. Ah, gambatte. Alors, sensei, sensei, osomoda, je sais pas pourquoi j'ai du mal. Il y a 3 endroits où tu dois aller. Premièrement, c'est le Discord, parce que tu vas pouvoir poser tes questions et t'entraîner avec les kana. Deuxièmement, c'est la chaîne YouTube, parce qu'il y a une playlist, pardon, avec toutes les redifs des lives,
qu'on a fait pour apprendre à lire et écrire les hiragana et les katakana. Et le troisième bonus, entre guillemets, c'est que j'ai écrit un manuel qui permet d'apprendre plus facilement, de les mémoriser et de les écrire plus facilement. Voilà, qui devrait potentiellement t'être utile si tu as un peu de mal à les apprendre. Donc n'hésite pas à checker ces trois liens. Et puis si tu as des questions, je suis disponible quand je suis en live et sur le Discord tous les jours. Voilà, voilà. Donc voilà, pour take, retenez ces mots de vocabulaire là, hein, donc le bambou, take, chikurin et takenoko, takenoko. Après on a aussi takemonogatari, c'est genre le conte du... Ah, taketori, taketori monogatari je crois, le conte du coupeur de bambou. J'ai pré-shot la pub de Kandi, c'est sans dessiner. Ah, de rien, Sensei. Et du coup, bah là, on est en plein apprentissage de kanji, mais tu peux toujours regarder et essayer de les tracer, ça ne sera jamais perdu. J'allais dire que Mayu, il est au taquet, mais ça fait bizarre quand on bosse les kanji de bambou. Je valide. Sokaguya hime no hanashi desu ne, taketori monogatari, le conte du coupeur de bambou. C'est le conte de la princesse Kaguya. Je vais vous laisser, j'ai encore des problèmes de connexion internet. Bonne soirée à tous. Oh non, bye bye Destiny. Boy 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 boy. Kite kurete arigato gozaimasu ne. Merci d'être passé. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Sugini ikimashouka. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? Moi aussi j'approuve la blague en vrai. Elle est drôle. Avez-vous un clavier en ligne à me conseiller pour pratiquer chat sans avoir à taper en lomaji? Marmotte, est-ce que tu es sur PC ou est-ce que tu es sur téléphone? Et si tu es sur téléphone, est-ce que tu es sous Android ou sous iOS? Bon, sans réponse, je considère que c'est bon. Jatsugi? La fleur. Hana. Hana, lecture kun, hein, quand il est tout seul. Et au niveau vocabulaire, je vous en ai mis pas mal. On a hanabi, hein, qu'on avait déjà vu. Donc pour hana, j'ai déjà voulu tresser. Vous avez une clé ici qu'il faut retenir. C'est kusakanmuri. Kusakanmuri. En fait, ici, votre kanji, vous pouvez le diviser en trois parties comme ça. Alors, c'est pas évident. Mais... Ah mince alors. J'ai du mal à gérer ça. Et en fait, la partie haute, ce sera kanmuri, kanmuri. Et kusa, c'est le clé de l'herbe. Vous qui vouliez apprendre des clés, et ben voilà, c'est cadeau. Première clé que vous allez apprendre, du coup. Kusa kanmuri. Kusa kanmuri. Ah mince. Attendez. Voilà. Kusa kanmuri. C'est la clé de l'herbe. Et l'herbe, justement, on va l'avoir. On va avoir le kanji aujourd'hui également. Ah, merci Natsuki, so desu ne. Arigato ne, Natsuki. Ano, Mamotte-san ni oshiete agete. Arigato. Alors, quand il y en a plusieurs, ça dépend du nom. Là, pour, tu vois... le kanji, donc je continue de vous l'écrire, hein, donc vous faites kusa kanmuri. Ça, ça représente une personne. Et ça, c'est comme hi, hein. Et ici, il y a une petite remontée qu'il ne faut pas oublier. Donc je vous le refais parce que c'est pas très très joli. Vous commencez par kusa kanmuri, une personne, et hi avec un petit truc qui remonte. C'est un hané en fait, hein, mais. Et si vous rajoutez le feu qu'on a déjà vu. Bon, je fais pas dans le bon ordre, mais. Ça nous donne hanabi. Hanabi, hein, le feu d'artifice. Autrement dit, les fleurs de feu. Hein. Et vous avez aussi hanaya. Ya étant le bâtiment, hein, donc le fleuriste. Ou encore hanataba, le bouquet de fleurs.
ça peut être des mots de vocabulaire en tant que débutant que vous pouvez quand même rencontrer assez facilement. Merci beaucoup, The Best Benitonic. Comment vas-tu? Merci pour ton follow, c'est trop gentil. Follow, je t'ai connecté, arigato gozaimasu. Sur notre chaîne, elle est Yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Alors, question pour tous les nouveaux arrivants. Comment allez-vous? D'où venez-vous? Et comment avez-vous trouvé la chaîne? Donc là... Oh! Waouh! Merci beaucoup, Boxy, pour ton follow. Follow, je t'ai connecté, arigato gozaimasu. Sur notre chaîne, elle est Yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Et même question, du coup, si tu les as entendus, comment vas-tu? D'où viens-tu? Et comment as-tu trouvé la chaîne? Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. À part que vous avez appris une première clé. Hanabi, à ne pas confondre avec... Ah, l'étincelle, c'était... Hibana, Desho, Hibana. Par hasard sur Twitch. Oh, merci les recommandations, alors. Ah, yeah, je l'ai retenu, du coup. Et ne pas confondre avec le nez so desu ne. Le kanji du nez, c'est pas le même. Là, on est bien sur la fleur... Et ça se prononce Hana. Hana Desune. Est-ce que vous avez des questions sur ce kanji ou est-ce que c'est bon pour vous? Je répète, hein, pour ceux qui viennent prendre des cours de kanji ici, moi, mon boulot, c'est de vous expliquer le kanji, de vous le décomposer, de vous donner le sens, l'ordre, les lectures, un peu de vocabulaire. Et le reste, c'est vous qui devez le faire, malheureusement. Donc, écrire, encore, apprendre le vocabulaire. Si possible, apprendre les kanji, du vocabulaire, vous entraîner à lire avec Quizlet, etc. Et donc le plus gros du boulot, bah, il vient de vous malheureusement. Moi je vous donne la méthode, je vous explique tout ça en cours, et après, bah, advienne que pourra. Du coup, si vous avez des questions, au cas où, n'hésitez pas, hein, c'est pendant les cours qu'il faut les poser. Ah, de Discord partenaire. Ah bah trop bien. Ah oui, j'ai pas réussi à toutes les questions géographiquement français, parti en Belgique, et j'ai découvert la chaîne via le Discord. Oh, trop bien! Via Discord. Pourquoi on utilise la lecture alors que dans les deux... Alors que les deux mots sont associés? Ah, pourquoi on utilise la lecture kun? Parce que ça fait partie d'exceptions et de mots, entre guillemets, japonais. J'ai pas d'autres explications. Juste, il faut le retenir comme étant des exceptions. Voilà. C'est pas bien, Mayu. Enfin, c'est pas bien. Il faut suivre le cours quand même. Et Jatsugi. Donc, je vous en parlais justement pour rapport à la clé. Hein. Kusa, l'herbe. Donc là, encore une fois, vous avez la clé de l'herbe. Hein. Kusa kanmuri. Kusa kanmuri. Et ensuite, c'est le kanji de Hayai. Hein. Donc, vous faites... Le jour et 10. Si on devait décomposer. Je sais pas moi. Il y a beaucoup d'herbes en 10 jours. Sachant que ça, c'est la clé de l'herbe. Voilà, il y a beaucoup d'herbes en 10 jours. Niti. Je sais pas. Là, je viens d'inventer ce moyen mnémotechnique, mais. Faites comme vous voulez. Niveau vocabulaire, alors kusa c'est le plus important, sachant que c'est aussi quelque chose d'utilisé quand il y a beaucoup d'herbes en 10 jours. Bah oui. quand on fait de la merde, entre guillemets, par exemple sur les jeux vidéo ou quoi, et que vous faites n'importe quoi, et ben on peut dire ah kusa, kusa kusa, et des fois les gens ils mettent ce kanji là, kusa kusa, mais bon, de base ça veut dire juste herbe, hein. Et au niveau vocabulaire, je vous ai mis shibaksa pour le gazon et sogen du coup pour la prairie. C'est du vocabulaire de plus, mais c'est pas un kanji qu'on utilise beaucoup quoi. Mon ordi ne veut pas installer le clavier, je réglerai le problème plus tard, mais merci pour les infos. Entraide sur 20. Ah, yasashi ne. Oui, c'est ça. En fait, c'est kusa. Kusa kanmuri. Alors attendez.
Attendez, je vais chercher le Candito Cana, je reviens. Attendez. Je vais. Le cours des clés, c'est maintenant. Je reviens. Alors, attendez, faut que je prenne mon support. Tac, tac, tac. Alors, si vous voulez connaître davantage de choses sur les clés, je vous conseille de prendre une nouvelle page, parce que c'est encore différent du cours d'un kanji en lui-même. Attendez. Hop. Où est mon magnifique tableau? Où est mon tableau? Ah. Oui, il est là. Alors, quand vous faites l'étude des kanji... attendez. Est-ce que vous êtes tous prêts pour noter, prendre des notes sur les clés en japonais? En attendant que vous me répondiez, je vais faire les structures. Mais non, je veux pas l'attacher. Oh, c'est pas possible. Hop. Oh, désolé, ils sont pas très carrés, mais c'est censé être des carrés, hein. Et après, vous en avez... Bon, c'est ceux-là, c'est les principaux. Donc, on va commencer par ça. Yes, prête. Je suis tout ouïe. Merci beaucoup, Cléo, fille rose, pour ton follow. Follow, je t'ai coulé, arigato gozaimasu. Son antienne, elle est yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Donc, vous pouvez... Donc, les quatre de base, c'est cette configuration-là. Si votre clé se trouve... Merde, se trouve dans cette partie-là que je suis en train d'agrandir comme une babache. Vous l'aurez compris. Si elle se trouve dans cette partie-là, voilà, dans cette partie-là, mais hey, c'est pas possible, c'est nul à chier ce truc. Dans cette partie-là, ça va s'appeler Hen. Ça va prendre le nom de Hen. Et l'une des clés que l'on peut voir assez souvent, c'est Ninben, celle de la personne. Donc c'est cette clé-là. Et donc ça... Dans la partie gauche de votre carré, c'est Ninben. Hen, Ben, Pen, hein, c'est des dérivés de H. Hein. Ninben. Si elle se met par contre dans cette partie-là, alors ça se dira... Cette partie en tout cas se dit Tsukuri. Tsukuri. Et par contre, ça n'a pas grand-chose à voir avec toutes les clés. L'une des clés qui peut porter ce nom, c'est par exemple Onozukuri. C'est celle-là. Ça, c'est Onozukuri. Onozukuri. Et donc, des fois, le nom de la clé va prendre... Comment dire? Va intégrer le nom de la partie dans laquelle se trouve votre kanji. Et des fois, non. Par exemple, dans cette partie-là, on en a... Je vais regarder ce que j'ai, mais... celle-là, par exemple, cette clé-là, elle se lit Litto. Litto. Donc elle se trouve dans la partie Tsukuri, mais elle n'a, le nom n'a rien à voir. Hein. D'accord? Donc vous avez deux parties de base, Hen et Tsukuri, à gauche et à droite. Et ensuite vous avez en haut, donc en haut on l'a déjà vu, hein, elle se lit Kanmuri. Kanmuri, désolé j'écris mal. Et donc là par exemple on a vu Kusa, qui veut dire l'herbe, hein, Kusa Kanmuri. Et dans l'autre partie, vous avez l'autre partie du kanji qui est comme ça. Hein. Bon, du coup, c'est à cause du logiciel, c'est pas top, mais voilà. Donc, vous avez Kanmuri, et apparemment, elle se dit aussi Kashira. Kashira, elle a deux parties, hein. Enfin, deux noms, cette partie. Par exemple, moi, je connais beaucoup les Kanmuri, mais... Ah, par exemple, Amigashira. Amigashira, ça, on le voit quand même pas mal. Amigashira.
D'accord? Et enfin, l'autre partie, c'est quand elle se trouve ici. Et là, elle va se lire Ashi, comme les pieds. Ashi, c'est en dessous, hein. Les jambes, les pieds. Et bah, par exemple, Hitohashi. Ça, c'est quelque chose que vous reverrez assez souvent. Hitohashi, c'est littéralement, c'est les pieds des gens, finalement. Hitohashi. Après, on a quoi? Kokoro, on le voit souvent dans cette partie-là. Kokoro. Mais ça, Hashi Parmentier, exactement. Mais ça, je vous donnerai les noms au fur et à mesure, d'accord. Là, c'est juste pour vous expliquer qu'un kanji, on peut le séparer et que les clés sont en fonction de où elles se situent dans le carré. Donc ça, c'est les quatre structures de base. Hen, Tsukuri, Kanmuri Ukashira et Hashi. D'accord. Et après, vous avez tout ce qui va contourner la case du kanji. Et donc là, pareil, je vous laisse le temps de prendre en note et je vous fais ce qu'on appelle les kamae. Kamae. Donc kamae, ça peut être... Ah mais non. Bon, on va faire comme ça. Mais non, il veut pas. Il me respecte pas. Putain. Attendez, et si je fais ça? C'est pas possible. Bon, on va imaginer que... Oyayubi, gros orteil. Yes, trop bien. Bon, voilà, bref. C'est galère, mais c'est pas grave. Je vais essayer de tout dessiner d'un coup. Peut-être que ça va le faire. C'est censé être ça. C'est horrible. C'est pas grave. Donc, vous avez celui-là. 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 Désolée, hein, je fais comme je peux. Et donc, ça. Ça. Et ça. Voilà. Donc ça, c'est une des autres grosses parties que l'on peut voir. Donc ça se lit kamae et ça a toutes ces dispositions-là. Donc soit prendre tout autour, soit prendre que les côtés, soit prendre tout en, les côtés avec en haut, soit prendre plus vers la gauche, etc. etc. Et l'une des clés que vous rencontrerez très rapidement, c'est mangamae. Mangamae. C'est la clé de la porte. Et donc vous l'avez pour Aku, Shimelu, tout ce qui est ouvrir, fermer, etc. Donc dès que ça a cette configuration là, de toute façon ça je vous le mettrai dans le Discord. Cette feuille là vous voyez pas, mais c'est le tableau que j'utilise pour vous expliquer comment ça marche, hein. Et il y aura exactement les mêmes informations avec tous les noms de clés. Voilà. Et vous en avez encore d'autres, notamment attendez que je vous le fasse. Comme ça. Et comme ça. Donc quand la clé est de ce côté-là, alors... et là, je vais hop, mettre un peu sur le côté. Oh mince. Je vais mettre un peu sur le côté. Alors dans ce cas-là, ça se lira Tare. Tare. Et je regarde, mais Yamaidare. Yamaidare, c'est une clé qu'on voit assez souvent. Et je vais vous la faire. C'est celle de... Quand tu as mal, en fait. On le voit assez souvent. Sur les dessinés. Ça. Et vous voyez, là, dans un carré, ça prendrait toute cette place-là. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que je suis en train de vous perdre ou est-ce que c'est compréhensible? Todeska. Coucou Maeva, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir. J'espère que je vous perds pas. Malheureusement, je peux pas faire les choses autrement. Oh putain.
C'est pas grave, Maïeux, je te le réexpliquerai en cours particulier. Alors, le but, c'est pas de retenir tout maintenant. C'est juste de comprendre comment ça marche, de retenir les noms à la limite, mais d'apprendre des clés petit à petit dès que vous vous en voyez. Hein. Et la dernière case, du coup, c'est Nyo. Et donc là, vous faites un carré et c'est tout ce qu'il y a ici. Et ça, c'est Nyo. Je vais bien, merci beaucoup, Sensei. Ah, yokatta desu. Et là, bah, y en a plein. So-nyo, en-nyo, des connus en tout cas. Genre ça. Ça, ça fait partie de cette catégorie-là aussi. Enfin, voilà, bref. C'était juste pour vous expliquer concrètement ce que sont les clés. Donc, je répète. Une clé va dépendre de l'endroit où il se trouve par rapport au kanji. Vous avez plein de dispositions différentes. En haut, en bas, à droite, à gauche et toutes celles que vous voyez actuellement à l'écran. En fonction de où elle est placée, cet endroit a un nom en japonais. Et parfois, ce nom va être présent dans le nom de la clé en elle-même. Et parfois, non. Et donc, le conseil, c'est juste que vous ayez conscience de ça, que les kanji ne se placent pas n'importe où, qu'il y a des cases, des prédispositions. Et que certaines clés ont un nom et un sens, qui parfois permettent de retenir plus facilement les jours. Oh là là, je dis n'importe quoi. Les kanji. Donc là, par exemple, vous voyez, on a vu le kanji de l'herbe. Et bien, la première clé tout en haut s'appelle Kusakanmuri, et c'est la clé de l'herbe qui se place en haut du kanji. Enfin, voilà. Petit aparté, du coup. Hop. Alors, il veut pas supprimer tout d'un coup. Shitakunai no ka. Voilà. Ah, bon appétit. Donc, pour tous ceux qui voulaient savoir pour les clés, je vous ai à peu près dit tout ce qu'il faut savoir de base. Hein. Dès le début, faut juste avoir conscience de ça. Et après, vous allez apprendre les clés et leur sens petit à petit. Commencez aujourd'hui par Kusakanmuri, qui signifie l'herbe, tout simplement. Voilà. On passe au cinquième. Ame. Et donc là, pareil, hein, Ame fait partie des clés. Là, toute seule, c'est pas une clé, hein. Mais c'est un kanji que l'on peut retrouver dans pas mal de mots. Qu'on dira du coup en tant que clé Amekanmuri. Amekanmuri parce qu'il va se placer en haut, par exemple, pour la neige. La neige. Là, si vous divisez, vous devez le diviser en haut. En haut, c'est du kanmuri. Et donc, Amekanmuri, c'est la clé. La clé de l'eau, la clé de la pluie. Enfin, bref. Pour revenir sur le kanji en lui-même, donc Ame, hein, ou Ama en lecture kun. Veut dire la pluie. Et au niveau du trait, il y en a quelques-uns quand même. Hein. Donc on commence tout droit. On fait le sorte de rectangle pas fermé avec un hané ici. On transperce les deux. Et on fait les gouttes de pluie. Il y en a quatre. Et ça, c'est Ame. Sore wa Ame desu ne. Ame. Tu as mal écrit drage dans le deuxième mot de vocabulaire. Ah, so desu ne. Machigatte sumimasen. Désolée, je me suis trompée. Donc je recommence. Vous faites un premier trait horizontal. Vous faites un U à l'envers avec un hane. Un U à l'envers. Hein. Vous transpercez. Et vous faites les gouttes. Les gouttes de pluie. Et vous avez ame. La pluie. Niveau vocabulaire, je vous ai mis Oame, une grande pluie. O, c'est Oki, hein, de grand. Amagasa, on l'utilise pas trop, mais ça existe quand même. C'est un parapluie. Hein. C'est un parapluie. Kasa, juste Kasa, veut aussi dire parapluie. Mais là, vous précisez que c'est spécialement pour la pluie.
Usui, pour la lecture on, c'est U plus l'eau, donc l'eau de pluie, Usui. Et Amadale, une goutte de pluie. Voilà. Ah, la drache, ouais, bah, elle est dans le nord, on dit ça, hein. Hydrache. Sur dessiné. Donc voilà, Ame, Oame, Amagasa, Usui, Amadare. Et ça vous permet de retenir les trois lectures de ce kanji. Daijoubu desu ka? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, madame. On peut avoir l'ordre des traits des autres kanji, sensei? Ben, je l'ai pas donné. Attendez, on retourne au début. Hop. Pour celui-là, pour ceux qui veulent. On commence par l'arbre du haut. Ah, quoi? Quoi? Ah, c'est de... tu parlais juste de... Amé. Non, nous dans le sud, on est plus poétique. On dit qu'il pleut comme vache qui pisse. Ah, Erin Lear. Bah tu sais, je donne des cours particuliers. Hein. Si t'as besoin, je suis là. Ah, pour parapluie. Oui, parapluie. Alors attendez, parce que c'est pareil, moi ça fait longtemps que je l'ai para... Donc... Ça, les personnes, ils disent. Je crois que tu commences par ça. Je sais plus trop l'ordre, hein, mais c'est quelque chose de ce style-là. Desione. Je sais plus l'ordre, mais c'est ce candy-là. Et du coup, Ame. Ah, ils sont horriblement moches, mais... En fait, c'est 10 personnes, c'est 4 personnes sous un toit, avec un bâton. Genre, il faut imaginer ton parapluie et qu'il y a des personnes en dessous. Ça pourrait me botter, mais il faut que j'essaie d'entraîner mon copain. Et puis, il est encore moins bon niveau que moi. Je vais l'aider à déjà reprendre les hiragana et katakana. A ganbatte desu. Ganbatte desu ne. Ganbatte ne plutôt. Donc voilà, pour Ame, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire non plus. Donc, kanji suivant. On reste dans le même thème, hein. Le ciel. Ten. Amatsu, Ame Ama. Donc le ciel en lui-même, c'est ten. Hein, vous faites un égal et une personne. Voilà. Tout simplement. Égal et hito, la personne. Je vous ai marqué comme vocabulaire Tengoku. Tengoku, le paradis. Amanogawa, on l'a déjà vu, hein, la voie lactée. Avec la rivière. Ama no gawa. Oh mince, vous voyez pas. Ama no gawa. Il est pas très beau mon kanji, mais c'est pas grave. Ama no gawa. Et tenki. Tenki, le temps au niveau de la météo. Tenki. Tenki wa dou desu ka? Par exemple, il est comment le temps aujourd'hui? Et eh ben, c'est avec ce kanji là. Ten. Tenki. Et Sola, alors oui, c'est, ça veut dire ça veut dire ciel aussi. Mais ça sera pour d'autres mots de vocabulaire. Aozola, le ciel bleu. Après, on a Karate aussi avec le candidat de Sola. Tenki no ko. Faut que je regarde ce film d'animation, je ne l'ai pas encore vu. Ça, c'est des synonymes, hein, ten et sola. Mais ça sera pas utilisé pour les mêmes mots de vocabulaire, du coup.
D'accord, est-ce que ça va pour tout le monde? Du coup, retenez ten. Ten, c'est... Comment dire? La lecture prédominante. C'est la lecture on, la lecture prédominante. Ah, soyu kotoka? Ah bah, selon Wasabi, ten, c'est plus le ciel céleste divin, alors que sola, c'est le ciel terrestre. Comme Aozola, le ciel bleu. Naruhodone. Coucou Azazel, comment tu vas? Sola, c'est pas le même kanji, non. Sola, donc. Hop, hop. Ça, c'est Sola. Et ça, c'est Ten. C'est deux kanji différents. Coucou Anto. Yaho, yaho, yaho. Konbanwa. Voilà, est-ce que c'est bon pour tout le monde? On passe au suivant. Tsugi ni ikouka. Tsugi ni ikimashou ka. Daijoubu kamo ne. Daijoubu kamo. Ça doit aller probablement. Sora peut aussi signifier vide, mais il sera lu kara. Ku, c'est aussi une des lectures hein, de Sora, soit dessiné. Non, Grim, tu as des mots de vocabulaire en amatsu, ame. Ama, tu vois, amanogawa. La lecture kun est utilisée. Mais ça dépendra de tes mots de vocabulaire. Et dans ce cas, tu la prends comme des cas particuliers. Hein. Juste, il y a plusieurs lectures. Pour ce mot de vocabulaire, ce sera telle lecture. Et pour l'autre, ce sera une autre. Tout simplement. Amaterasu ne? Je crois que ça doit être ce kanji là, ça m'étonnerait pas. Quoique Amaterasu? Amaterasu no kanji wa nan daro? Je sais pas c'est quoi le kanji, mais ça serait probable que ça soit ça du coup. Amaterasu. Apparemment c'est ça. Donc apparemment oui, Ama pour Amaterasu. Amaterasu House. Ina. Injanai sono jōdan wa. Je valide. Et déjà tsugi. Mura. Mura. Donc quand dit suivant, le village, le quartier, voilà, la ville, Mura, que l'on prononcera San, en lecture An. Au niveau du kanji, donc, on a la clé de l'arbre. Alors, je crois que c'est Kihen, normalement, je vais vérifier, mais il me semble que la clé de l'arbre se dit Kihen. C'est ça, Kihen. Donc, on commence avec la clé de l'arbre. Et l'autre, pareil, c'est une clé. Est-ce qu'ils l'ont mis dans le livre ici? Est-ce qu'on a le nom? C'est pour le pouce. 1, 2, 3, 3. Ça veut dire le pouce, mais ils ne me mettent pas le nom de la clé. C'est que ça ne doit pas être si présent que ça. Mais ça, ça veut dire le pouce. Genre la mesure, quand on mesure avec des pouces. Et donc tout seul, il se lira Mura et il voudra dire village. Mura. Et après, vous avez deux façons de dire villageois. Donc soit Murabito, avec le kanji de la personne à côté. Murabito. Soit San Min. San Min. Hop. Avec ce kanji-là. Et dans ce cas, on utilisera la lecture An. Soit Murabito, soit San Min. Tekoto desu ne. J'ai pas grand chose d'autre pareil à vous dire sur ce kanji. Faites bien attention ici, hein, le hané, comme d'hab, dès que vous voyez quelque chose qui remonte, c'est un hané, hein, qu'il faut bien faire en kanji, c'est super important. Mula, mula, mula. J'aime pas être villageois, je préfère être loup-garou. Okami no o ga suki kana.
Pardon, je fatigue. Ah, t'inquiète pas, je te pardonne. Je te pardonne. Semaine fatigante pour tout le monde, alors je compatis également. Moulaga, moula, moulaga. La moulaga, mais oui! Oui, je valide! Je valide cette blague. Si c'était ça. Et Tatsugi, on reste toujours là, je choisis à chaque fois par thème. Hein. Ah, le deuxième candidat de villageois, oui, évidemment. Donc tu as deux possibilités, je te refais les deux. Soit Murabito, soit Mura... Sanmin. Sanmin. Si je ne me trompe pas, sur dessiné, Sanmin. Il est pas très joli. Alors attends, je te le refais en plus grand. Quelque chose comme ça. Un R barré avec des pieds. Tashikanine. Tashikanine. Sont dessinés. Alors, je les considère comme des synonymes. Après, Murabito a une lecture kun, donc ce sera plus simplifié comme mot. Alors que Sanmin est un peu plus poli, plus formel, je pense. Mais en soi, les deux veulent dire villageois et je pense pas que ça soit des villageois différents. Mais je ne suis pas japonaise, donc j'ai pas conscience forcément de la... comment dire ? Du sens caché, de la nuance. Merci les gens, vous êtes adorables. Et Jatsugi. Alors, ici, on est sur Machi, la ville. Donc Mura, c'est plus un village, Machi, c'est plus une ville. On commence avec la rizière. Ça, on l'a vu ensemble. Hein. Et ceci, alors je vais regarder si la clé existe. Je pense pas l'avoir vue, donc non, j'ai pas le nom de la clé. Par contre, au niveau de sa connotation, ça je sais qu'il y en a une, mais je la vois pas. Oh bah mince alors. Bah ils ont pas voulu, bah c'est pas grave. Donc avec un T avec un rané. Ah j'ai raison. J'avais raison! Sanmin, c'est plus formel! Wouhou! Les proportions. Non, en vrai, c'est ça, hein. C'est juste que j'écris gros. Et j'ai pas de carré, moi. Donc, vous faites la rizière. Et vous faites un T avec un rané. Et vous avez Mati. C'est un T dans une rivière. Voilà. Merci beaucoup, Tio, pour ton follow. C'est trop gentil. Comment vas-tu? Follow してくれてありがとうございます sur notre channel et yokoso, bienvenue sur la chaîne. D'où viens-tu et comment as-tu trouvé cette dernière? Dis-nous tout. Ou un J. Ouais, du coup. Tashikani ne. Tashikani. Niveau vocabulaire, je vous ai mis cho-cho. Cho-cho, le maire. Alors, le deuxième cho, c'est nagai. Hein, et on l'utilise souvent... pour les maîtres, enfin les maîtres, les personnes à responsabilité, entre guillemets. Waouh, j'ai l'impression d'être de retour au lycée, je suis en train de faire des trous de crayon gris dans ma gomme, je pensais pas refaire ça un jour. C'est si ennuyant que ça, ennuyeux que ça les cours de kanji. Pourtant, vous devriez profiter de mon blabla pour vous entraîner à faire des lignes déjà. Chou-chou. Non, cho-cho, desio. Cho-cho. Cho-cho, dessiné. Je débarque, mais pourquoi on est toujours en katakana? La lecture on va souvent être en hiragana parce que c'est japonais. Et la lecture kun en katakana parce que c'est chinois, donc étranger.
Mais sinon, de manière générale, quand on va mettre les furigana, ils seront en hiragana et pas en katakana. Quand on va mettre la lecture au-dessus des kanji, ce qu'on appelle les furigana, on mettra en hiragana. Ah, naruhodo, Natsuki. Bah, c'est ce que j'ai dit nagai. Cho hype no densha desu ne. Je valide. Je valide en vrai. Bon, ça a l'air d'être ok. Et ensuite, je vous ai mis quoi? Une ville fortifiée. Mon Dieu, c'était juste pour le délire, hein. Jōkamachi. Jōkamachi. Voilà. Jōkamachi. Jōka fortifié. Machi, une ville. Tadam! Jōkamachi. Je veux le revoir sorti pendant les Shiritori, celui-là. Jōkamachi. Bah des villes fortifiées, j'imagine que oui, mais je saurais pas te dire. Pour le vocabulaire supplémentaire, j'ai pas mis les kanji, juste les kana. Je travaillerai le kanji quand je transcrirai mes notes sur mon cahier. Ah, Alors de toute façon, je vous conseille de les écrire pour les voir, mais pas ensuite de les tracer encore et encore. Ne tracez encore et encore que les kanji que vous avez déjà vus. Par exemple, Hanabi. Hanabi, ça fait partie. Les deux kanji, vous les avez vus en cours. Donc maintenant, il faut que vous entraîniez à écrire les deux en même temps. Par contre, essayez dès maintenant de reconnaître les kanji avec Quizlet, par exemple, mais pas ceux que vous avez vus en cours, de pas les voir maintenant. Sinon, ça vous fait trop de kanji à voir en même temps. Et Gumarutsu, fameuse huile fortifiée japonaise. Oh bah, on en apprend tous les jours grâce à Seima. Le neuvième. Alors, ici c'est le kanji du trou. Tama. Tama. Hakone, ville fortifiante. Ah pardon, pas le même sens. Asodeska. Alors attendez, faut que je revoie le concept. Vous avez la lecture kuna qui sera en hiragana. La lecture on en katakana, mais si vous avez, je sais pas moi, un kanji et que vous voulez marquer la lecture au-dessus, elle sera, pardon, en hiragana, d'accord? Oh mon Dieu, si vous vous mettez à faire des jeux de mots, moi je suis perdue. Hein. Voilà, pour le petit récap, pour ceux qui viennent d'arriver, comme ça vous êtes au courant. Kanji suivant. Je répète du coup, Tama, Tama, le trou. Donc on est sur du 5 traits. Donc on commence avec le premier horizontal. On fait un T. Et ensuite, on refait un égal. On ferme et on met une petite virgule là. Un petit trait comme ça. Et ça, c'est Tama le trou. Tama. En lecture on, on a Gyoku. Et on le trouve notamment dans du Gyoku, hein, la pierre précieuse. Sinon, en autre mot de vocabulaire, je vous ai mis Mizutama. Mizutama, la goutte d'eau. Voilà, la goutte d'eau. Mizutama. Et ça a aussi le sens d'une boule. Je me trompe? Ça a aussi le sens de trou, des choses. Attendez, j'ai un doute du coup. J'ai toujours appris trou, mais. Ah non! Ah bah attends, je me trompe avec quoi? Attendez.
Je me trompe avec un autre kanji. Attendez, parce que même moi. Ah non, je me trompe avec. Ah non, Atashi Baka Dayo. Je sais pas pourquoi, je l'ai confondu avec celui-là. Rien à voir du tout, les gens. Rien du tout, du tout, du tout, du tout. Boule. Une boule. Et ça, c'est un trou. MDR. Si, pure noob. Évidemment que si. Nemui kara ne, baka na koto itteru. C'est parce que je suis fatiguée et que j'ai des trucs débiles. Sumimasen, minasan. Sumimasen. C'est bientôt fini, vous inquiétez pas. On va tous aller faire dodo après. Donc la boule, la sphère, pardon, ce n'est rien à voir, rien du tout, avec le trou. Excusez-moi. Shitsurai shimashita ne. Machigatta ne. Mais je note ton intérêt pour les trous. Pour le test de pureté. Putain, je suis morte. Ah, shinderu, shinderu. Je ne sais pas ce qu'est la différence, Wasabi. Zenzen shiranai. Zenzen shiranai. Et du coup, faites attention à ne pas confondre avec ce kanji-là. Hein, oh, qui veut dire le roi. Ça, c'est le king. Et ça, c'est une boule. Et la différence, c'est ce qu'il y a ici. Il n'y a pas de trait. Donc faites attention, on le verra pour le GLPT5, je crois. Donc faites attention. Ah, c'est un œuf de poule, sérieux? Oh, je l'en ai pas de. Si on confond, c'est la boulette. Et il est au GLPT5, sur Destiny. Donc voilà. Shitsuman Animaska, est-ce que vous avez des questions sur ce kanji? Sinon, on passe au dernier pour aujourd'hui. Ça sera déjà pas mal. Et déjà, Tsugini Iko. Et donc, en parlant de boule, on va voir la pierre qui se dit Ishi. En lecture Kun, donc quand il est tout seul, hein, Ishi. Et donc là, ça va être presque la même chose que Migi. Donc il va falloir faire attention. Et la différence, c'est que ici ça dépasse. Donc si ça dépasse pas, c'est Ishi, la pierre. Si ça dépasse, alors c'est Migi, la droite. Et donc ces deux-là, vous les connaissez du coup. La pierre maintenant et il y a quelques semaines, on a vu le kanji de la droite. Eh oui, Eileen Nir, faut faire attention. Du coup, c'est pour ça que je le précise. Hein. C'est ce que je sais, qu'on peut vite se tromper. Mais ce n'est pas le même kanji. Zen zen, on a dit kanji janai. Ah oui, au niveau du sens, Ishi, c'est la volonté. Hein. Sur des cinémas. Sinon, je vous ai mis le caillou, voilà dire caillou, Koishi, c'est une petite pierre, hein. Koishi. Oh, merci beaucoup Cosmic Etna pour ton follow, c'est beaucoup trop gentil. Follow shite kurete arigato gozaimasu sur notre channel Yokoso, bienvenue sur la chaîne. Et je vous ai mis le rocher aussi, Ganseki. 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 Oh, il est pas beau, attendez, je vous le refais. Ganseki, le rocher. Donc, c'est la montagne, le kanji de la montagne. Et la pierre, Ishi. Et encore une pierre. Ganseki. La différence entre les deux. Ah, pas ce qu'était. Montagne, pierre, pierre égale rocher. Ben voilà. Exactement. C'est pas si compliqué les kanji finalement, non? Du coup, je regarde, mais... y a pas... J'ai pas le nom de la clé quand Yama est comme ça. Mais bon, c'est la montagne. Hein. Oh
putain, Gansekinin. Gansekinin, c'est un habitant du Monaco, l'habitant du rocher. Mais oui, mais oui. On peut combiner boule et pierre pour faire boule de pierre. Pour genre une sorte. Un sort dans un trou. Héroïque cosmique fantasy. Je sais pas, là, tu me poses une colle. Shilanaides, Shilanaides. Shilanaides, Shilanaides. Voilà. Ferrero Rocher, putain, oui. Oh oui, vous êtes bons, les gens, vous êtes bons. Ça, c'est de la bonne vanne, ça. Ça, c'est de la vanasse. Il y a des candies qui se ressemblent trop. Oui, en fait, il faut juste apprendre à bien les décortiquer, mais Ikiru... Ishi... Ushi, pardon. Et sore wa... Nandaro. Sho, je sais plus. Il y en a un que je sais plus. Ah, d'accord. Naruhodo. Naruhodo ne. Mais il faut juste faire attention, justement. Là, c'est assez simple, la différence, c'est que la pierre, ça dépasse pas. Ah, nen, desu ne. Merci beaucoup, Lilixan, pour ton follow. Follow shite kurete arigato gozaimasu. Sur notre channel et yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Par contre, les gens, c'est hallucinant comment les follow, ils vont vite. On est déjà à 16 de... 16 en un stream. C'est énorme. On va vite arriver au... Je vais être en retard sur les lives, je pourrais pas gérer les lives. Ah oui, ils sont dessinés. Il y a aussi, et attends, parce que t'en as oublié Seima, parce que il y a grand, il y a Inu, il y a Futolu. Donc grand, chien, gros. Bonsoir, je viens juste de découvrir la chaîne, ça a l'air cool, bah c'est gentil. Alors tu arrives... Oh, merci pour le bits. Arigato gozaimasu. Tu arrives à la fin du cours de kanji. Je ne sais pas si les gens ont des questions du coup, parce que là on a fini pour aujourd'hui de voir les 10 kanji de la semaine. En effet, je donne cours de japonais le lundi, mercredi et jeudi à 18h30. Cette semaine, exceptionnellement... Merci Talala pour les bits. Il y en a combien? 20. Comment on dit 20, les gens? Comment on dit 20? Comment on dit 1 et comment on dit 20? Comment on dit 21? On va réviser 21. Oso desu ne. 20 bits a gete kurete. Arigato gozaimasu. 21 bits a gete kurete. Arigato gozaimasu. Merci pour les bits, tout le monde, vous êtes trop chaud. Arigato ne. Wasabi qui donne un bit pour avoir appris le kanji trou. Merci. Bon là, et bah écoute, j'espère que tu repasseras du coup. Le prochain cours de japonais, c'est pas jeudi, c'est pas demain, c'est samedi. On va traduire le conte d'Alice au pays des merveilles. Donc les gens, tous ceux qui sont là, vous notez 18h30, peut-être 18h même. On va traduire la première partie du conte d'Alice au pays des merveilles. N'hésitez pas si vous voulez savoir en japonais et tout, tout ça, tout ça. Yabete à ce qu'on dit. Enfin, ce qu'on dit, cette émote, trop bien. Sont dessinés. Sont. Non, il n'y aura pas ça sur la chaîne. Bah, moi, je dis très bon cours. Dit Candy dans un bon thème. Explication, bref, quasi perfect. Enfin, je parle pour moi. Très bon cours. Ah, Julien Fontanier approuve. Je sais pas s'il approuve, mais merci, c'est trop gentil. Merci pour ton commentaire, Grim, ça fait trop plaisir. Je suis désolée en ce moment. Les gens, je m'excuse quand même parce que c'est la fatigue de mon côté. Du coup, je fais comme je peux, mais je fais beaucoup de fautes d'inattention. Donc, j'espère que vous serez indulgents avec moi. Je vais essayer de reprendre des forces, de me prendre peut-être un jour de repos, je sais pas, mais faut que je fasse quelque chose parce que là, lundi, je pense que ça va être un jour de repos. Mais voilà, je fais de mon mieux, je vais essayer de me reposer un petit peu. Et j'espère quand même que le cours d'aujourd'hui vous a plu. J'adore tes explications, ça me donne envie de réviser. Ah, tiens, yokatta des. Yokatta. Chou, shimpai shiteru dakedo. En vrai, je m'inquiète parce que je me dis, ah, j'ai peur que les cours baissent de qualité à cause de ma fatigue. Mais si ça va. Oui, 3 cours par semaine, c'est intensif. So desu ne.
少し大変です。Qu'est-ce qui se passe? Ils sont très bien tes combats, vous êtes chou. Alors, en fait, je fais niveau par niveau. Donc, pour l'instant, je fais que du N5. Après, ce sera du N4, du N3. Arrive un moment, je pense que je ferai par thème. Et les niveaux compteront plus. Juste, on réapprendra à dire le goût, on apprendra à dire le désir, etc. Mais pour l'instant, je fais du N5. Voilà, ça va me prendre quand même pas mal de temps. J'apprends les bases. Et après, on fera certainement du thème. On se basera peut-être sur des manuels. Je sais pas encore, mais... on a encore le temps de voir tout ça. Qui se ressemble tout ça. Alors que là, par, je trouve ça génial. Son desca, Zayokata. Le désir, moui moui. Moui moui. Ah là là. Bon, ben, je suis contente que les cours vous plaisent. Du coup, ça me rassure. Yokata dessiné. Merci beaucoup à Lena du 29. Merci pour ton follow. Follow, je t'ai connecté. Arigato gozaimasu. Channel et Yokoso. Bienvenue sur la chaîne. Tu arrives également à la fin, mais je suis heureuse de te compter parmi nous. Et la question du jour, c'est on raid qui? Parce que la dernière fois, on s'est fail. Il avait fini son live, je suis triste. Bon, labu, minasan. Labu, team. Labu. Non, c'est nul, c'est pour ça qu'on revient. Le masochisme, tout ça. Labu dessiné. Oui, n'hésitez pas à follow la chaîne. J'ai un jeu pour Candy bientôt. J'ai peur. Ah, pur de vous. Non. Alors, il y a qui stream? Ah, son dessiné. Il y a DT. Ben, on va aller faire un petit coucou à DT si vous n'avez pas d'autres recommandations. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de modéliser un gigot de viande. Est-ce que vous voulez voir comment faire un gigot de viande en 3D? Ah non, Matt, dommage, t'arrives à la fin du cours. Un gigot, oui, un gigot. Yakiniku no koto. Et ja kore ni shimashou ka. Alors attendez, je pense qu'on va faire ça. Hein. Allons voir DT. Ja kore ni shiyou. Hop. Allez les gens, n'hésitez pas à monter dans le train de la hype, ça vous fera des bons points, des points de chaîne supplémentaires. Je vous fais à tous des gros bisous. Ce soir, je serai peut-être pas en live, mais je serai sûre sur la chaîne de Maeva Milk Tea pour faire un Gartic Fun avec elle et d'autres personnes certainement. Je risque de le live, mais c'est pas sûr. Du coup, peut-être à ce soir, en tout cas sûr sur la chaîne de Maeva. Nous, pour les... Demain matin, je fais du Peppercraft à 10h, donc vous allez voir, nouveau modèle, faut venir. Et, comment dire, samedi, traduction d'Alice au Pays des Merveilles, donc n'hésitez pas à venir. Voilà. Des bisous tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée, merci d'être venu, d'avoir assisté à ce cours. Et, comme d'habitude, si vous avez des questions, le Discord est à votre disposition. Go, si vous n'êtes pas dessus. Et voilà, des bisous tout le monde. Bonne soirée! Bye bye! Otsukaresama deshita, minasan!